Salut la famille, j'espère que vous allez bien mes frères et chers. On s'amina Moulanda Mataitana à la Gouandirondom. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne qui parle de l'actualité, surtout aussi la chaîne qui parle des artistes guinéens, des artistes africains. Donc, Harinda, la vidéo, on a regardé la vidéo jusqu'à la fin parce qu'aujourd'hui, on va parler des Saint-Fond Bali, on va parler des Junior Bali, on va parler aussi. En tout cas, des job soirées. Donc, on va parler beaucoup des artistes guinéens, en tout cas, la famille. Donc, on a une vidéo là, parce que faisons de conquérir sur l'ensemble entre les artistes guinéens, surtout faisons de conquérir sur l'ensemble entre les artistes guinéens, la famille. C'est parti pour l'information, mes frères et sœurs. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Allez. Bon retour la famille, donc vous avez vu en tout cas l'affiche que je viens d'afficher là, donc on va commencer par Sili National qui jouait contre le Sénégal aujourd'hui, mais voilà, ils ont bien joué, mais malheureusement ils ont sorti match nul, mais c'est pas grave, c'est le foot, c'est comme ça, sinon les joueurs de Guinée ils ont bien joué, donc les joueurs de la Guinée, mais jouent moi, donc on a bien le match nul, mais en tout cas voilà, il y a 4 points, on est du moment, donc félicitations à tous les deux équipes parce que c'est l'Afrique qui gagne. Maintenant on va parler des Junior Bari, vous avez vu que j'ai affiché Junior Bari, donc Junior Bari, il est parti pour faire un concert à Gambie, donc faire un artiste guinéen, mais il faut regarder, Gambie, ou un concert, beaucoup des artistes guinéens en ce moment se déplacent en Gambie pour faire en tout cas des concerts, donc pour faire des featuring. Je pense que Gambie est devenu en tout cas le deuxième pays des artistes guinéens en ce moment parce que artistes puis fait on de Gambie parce qu'il y a Issa Fombal de Kankari Moumar en concert, donc même Issa Fombal il a un concert à Gambie, donc Issa Kindé a une idée qu'on fait il doit avoir nos Kankari concert on est bien aussi là, donc Harai mais en d'accord nous ne devons de mener à bien donc on Harai d'un head de concurrence sur l'ensemble entre mambe, du coup on va parler de Issa Fombal parce que Harai artiste mais vous voilà mon libre, vous voilà mon libre, donc mais on va parler de tout ça là à la fin dans la vidéo. Alors là c'est parti. Voilà la famille, donc bon retour de nouveau là. Maintenant, on va parler de Saint-Fond Baldé et Zaga Boy. Mais avant de parler de Saint-Fond Baldé et Zaga Boy, d'abord, on va parler de Job Soirée. Voilà, Job Soirée et Lil Black. Parce que Lil Black aussi a sorti un featuring avec Job Soirée, la famille. Donc, je ne sais pas si vous avez regardé cette featuring. Ça fait 3 ou 4 jours que depuis que le clip est sorti. Mais c'est un clip dinguerie, la famille. C'est un clip magnifique. C'est un son magnifique, la famille. Donc, dans un Job Soirée, moi, il m'a dit pour la on a yori que rap ma connoisse. Il a famille Hamaïda. Donc si vous n'avez pas regardé cette clip, allez y regarder cette clip parce que c'est un clip malade, la famille, c'est un clip qui représente en tout cas la rap guinée, surtout aussi la rap africaine, la famille. Donc allez y regarder, abonnez-vous sur les chaînes YouTube, like et partagez, c'est très important. Maintenant, Harayeng, en tout cas Zaga Boy et Saint-Fond Baldé, on va parler de Saint-Fond Baldé et de Zaga Boy, la famille. Donc 2022, Zaga Boy ou Harayeng, quand on est au 2022, donc on est donc à Saint-Fond Baldé, on n'est pas avec l'abbé Harayeng, l'abbé Kossari. Donc Harayeng, calme-moi, nous prépare de goût, yaltine Harayeng, est-ce que Zaga Boy n'a pas libre de Saint-Fond Baldé Harayeng, selon Abim, on donne Abim, on l'a fait parce que Harayeng, Zaga Boy, on yaltine estrené, donc on a qu'un cas, on a qu'un copage, ma co, voilà, on a d'estrené. Mais d'abord qu'au concerne et hande que Saint-Fond Baldé et tatita et on et Zaga Boy selon Mohika Saint-Fond Baldé et Zaga Boy combo wata hitu de trophée combo wata ko trône selon mon combo wata représente de Dagine par ailleurs parce que Zaga Boy me prépare à Nika me prépare Hika de me fait en town, donc
je peux pas vous mentir. En tout cas, cette année, Zagabo, il se prépare très bien. Donc, voilà, si ça fait un bal de Wadalo, il tombe les bails. Donc, on va y aller d'avis. Merci beaucoup et à demain. Au revoir. Et abonnez-vous pour ne rien rater. Et pour ne rien rater, excusez-moi, partagez aussi, s'il vous plaît, et likez maximum. Merci. Ciao, ciao.